Docteur Meunier, nous sommes dans le camion du don du sang à Bordeaux et donc le don du sang a besoin de prélèvements en ce moment, particulièrement. Oui, moi c'est mon métier, je suis chargé de la promotion du don, donc de sans cesse trouver et décider des donneurs. Et on a besoin de sang, on a de plus en plus besoin de sang, parce qu'on a des besoins en globules rouges qui augmentent énormément au niveau des hôpitaux. Ils ont augmenté de 25% en 10 ans, et on est actuellement à 4 ou 5% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Et ce sont les services de médecine essentiellement qui nous demandent des produits sanguins, l'hématologie, la cancérologie, la médecine interne. Alors, ce sont justement des besoins parce qu'il y a eu une baisse et il risque d'y avoir une demande encore accrue prochainement. La période de Noël, les 15 derniers jours de décembre, est traditionnellement difficile parce qu'on a moins de collecte, on a moins d'activités, on prélève moins. Et début janvier, il y a un fort redémarrage des demandes de produits sanguins. Donc, on a besoin d'avoir des stocks élevés en attente du début. Et alors, c'est quels jours les collectes là? Alors ici nous sommes là cet après-midi, là, donc mercredi jusqu'à 19h, et on sera lundi matin de 10h à 14h au même endroit. Lundi matin, ça sera le 24 décembre, c'est une excellente journée pour faire un carton de Noël aux malades. Et autre jour et site et internet le site fixe à Pellegrin est ouvert tous les jours, du lundi au samedi. On a tous les horaires, toutes les collègues sur www.donducent.net dans la rubrique « Où donner ?».